Salut à toi. Aujourd'hui, on va regarder comment enlever les petits cheveux qui se forment sur les noyaux et sur les dépouilles. On voit ici que les petits cheveux vont dans le sens de la découpe. Alors, c'est tout simple, à la main. Toujours bien faire attention au bord de fuite qui est très très fragile. Et toujours à manipuler avec grand soin ces pièces-là. Elles sont brutes. Voilà, j'ai fait une face. Je passe à l'autre. Il faut enlever ses cheveux maintenant parce que quand on va te poncer, ils vont créer des bouloches qui vont laisser des traînées dans le profil et détériorer le profil, donc le noyau d'aile. Voilà le premier tronçon qui est fait. Ici, on passe au stabilisateur, demi-stabilisateur plus exactement. Comme on peut le voir, c'est une opération qui est rapide, simple à faire, mais qu'il ne faut pas négliger pour avoir une bonne qualité au rendu final. Et ici, on voit bien les cheveux, par exemple. Voilà, c'est fini. Tout simple, mais à faire.